Normalement, c'est bon, ça fonctionne. Alors, il y a une mise à jour OBS qui m'a mis en PLS, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Mais normalement, c'est bon. Hey, coucou, comment est-ce que ça va? Voilà, parfait. Normalement, c'est bon. Bon, je vois que vous êtes sur le live, donc ça vient, je pense que ça fonctionne. Eh bien, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Hello! Bah écoutez, ça va bien et vous, comment ça va? Je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un moment. Je suis un peu stressée parce que je suis en facecam là et ça fait un petit moment que vous m'aviez pas vue. Hello. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure avec notre très chère Ariana Grande et merci à Camille qui a rejoint la team Chatron. Bienvenue à toi. T'inquiète. Et puis tout à l'heure, j'avais un petit peu la flemme d'aller me faire à manger. Du coup, voilà, j'ai craqué pour un petit McDonald's. J'ai vu sur Instagram. Ah bah super. C'est bien. J'essaie de vous prévenir plus régulièrement maintenant sur Insta Story lorsque je fais des trucs importants comme tout à l'heure le live sur MSP pour le ticket VIP et maintenant pour la chaîne là pour le petit live. Et merci Shanna, bienvenue dans la team Chatron, bienvenue, bienvenue. Comment ça, il y a deux lives? What? Comment ça? What, what, what? Sérieux, il y a deux lives? Non, c'est une blague. Bonne boisson à toi, merci. Je suis quelle team? Alors ça, honnêtement, il faut que vous reteniez votre team. Parce que moi, je ne peux pas le faire pour vous. J'ai cru que live était... Ouais, en fait, le temps que j'allais me chercher mon McDo, que je mange, que je rentre, que je fasse la mise à jour des Sims, etc. Ça a mis un peu plus de temps. Et bonjour, bonjour. Et merci à Banana Guillaume, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. En fait, il y a tout le monde qui rentre dans la team Chatron. Qu'est-ce qui se passe? On va voir tout à l'heure si ça a changé de team. Alors, Ariana, actuellement, qu'est-ce qu'elle devient? Ah, d'accord. Donc, elle commence à 9h mercredi. C'est quoi qu'elle fait déjà? Ça fait un petit moment, du coup, je suis un peu Mélodie de la ville. À la recherche d'une star chaussure de claquettes et voix mélodieuses nécessaires. La comédie musicale classique Mélodie de la ville est adaptée pour le grand écran. Venez danser au rythme d'un million de minuscules gouttes. Et merci à Sailor Lena, bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Oui, il y a eu une mise à jour sur les Sims. Et d'ailleurs, bonne, très bonne nouvelle. Apparemment, j'ai pas encore testé, mais apparemment, le mode pour avoir plus de 8 Sims refonctionne. Il va falloir que je teste ça plus tard. Je testerai ça plus tard. Et ça, c'est cool parce que ça annonce la reprise des lives de la maison des abonnés. Voilà. Alors, explorer l'émotion joueuse, développer la compétence charisme qui a déjà été fait et s'entraîner à jouer des scènes romantiques, pas commencer. Alors là, elle fait quoi? Ouais, on va lui demander plutôt d'aller se coucher. Et puis, elle mangera le matin quand elle se lève. Oui, bah ça fait super plaisir. Parce que moi, ça m'a grave manqué, la maison des abonnés. Et du coup, le fait que vous m'aviez dit que apparemment ça refonctionnait, ça m'a motivée à reprendre les Sims bien comme il faut. Parce que franchement, c'était mon truc préféré, la maison des abonnés. Ah bah voilà, ça a changé de team. Bienvenue à toi, Stéphanie. Bienvenue dans la team Geektron, hein, les citrons geeks. Bienvenue à toi, merci pour ton abonnement. Coucou Lydia, comment vas-tu? Coucou Kirou, re Stéphanie. Alors, on m'a offert 3 cadeaux Sims. Ah, cadeaux Sims? Ah, je sais pas. Je savais pas qu'il y avait besoin de code pour des cadeaux Sims. Ah, on m'a offert 3, pardon. 3, c'est des Sims, mais ça me demande des codes. Je sais pas comment faire. Ça te demande des codes. Oui, c'est bon, je vois de quoi tu parles. Alors, normalement, dans les versions CD, lorsque tu installes les Sims, ça va te demander un code qui est marqué dans le boîtier, généralement. Merci à Ski, bienvenue à toi. En général, dans le boîtier, tu as une petite notice et dessus, tu as un code écrit sur la notice. Et il faut que tu retapes le code pour activer. Et merci Lilia, bienvenue à toi. Merci pour ton abonnement. Bienvenue dans la team Chatron. Il y a beaucoup de team Chatron. Quand même. Mais c'est bon. Tu aimes Tengyunek? Ouais, franchement, j'aime bien. La prochaine fois, comme pièce, on va faire le salon. C'est tout ce qui nous reste à faire. Et la salle de bain. Soit le salon, soit la salle de bain. Mais vous voyez, on n'a plus que 1500 simples. On n'a plus grand-chose. Mais franchement. Franchement, elle gagne tellement d'argent maintenant que je pense ça va aller assez vite au niveau du relooking de la maison. Et il faudra aussi s'attaquer à l'extérieur parce que bon, l'extérieur, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu pauvre quoi. C'est voilà, on dirait une maison un peu à l'américaine quand même avec le drapeau. Je sais pas, ça me fait penser un peu à vraiment, vous savez, aux sortes de bungalows américains dans des quartiers et tout. Et un petit peu améliorer tout ça quand même. Et merci Loulou, bienvenue à toi. Et bien à la team Crambo. Coucou Lohan, comment vas-tu? Quand Ariana aura un mec, il faut qu'on lui crée le mec.
Par contre, elle est devenue la dernière fois amie avec Nicki Minaj. Nous avons normalement dans nos amis une certaine Nicki Minaj, qui est où d'ailleurs? Elle est là, voilà. Même d'ailleurs, très bonne amie, hein, quand même. On est amis-amis, quoi. Avec d'autres personnes, c'est des connaissances. Avec Nicki, on est réellement amis. Attendez, je vais mettre un peu la caméra vers là, parce que... Voilà. Et merci une fille qui existe. Ah, bah bienvenue à toi sur cette chaîne, dans la team princesse. Je crois que c'est la première team princesse, là, qui s'affiche. Moi, elle est dead, ma sim, ça me dégoûte, ça fait 3 semaines que j'ai pas joué, faut que je m'y remette. Et merci Ouria, bienvenue à toi, merci pour ton abonnement. J'ai eu ton poste de jour. Lequel déjà? Merci, les bisous de Loan. J'adore la série Sims, merci Léa. Coucou Ranim, et merci à Harley Kinzel, bienvenue à toi, bienvenue à la team princesse. J'ai loupé un truc heureux. Bah, en fait, c'est un peu comme Bioune avec ses teams, team Armin, etc. Sauf que moi, j'ai personnalisé des citrons, des teams de citrons. Voilà, la team Citron Princesse, Rambo Citron, Geek Citron. Et par la suite, si ça vous plaît bien, je pensais rajouter d'autres teams, comme par exemple une team Sorcier Citron, un Magi Citron peut-être, un Magitron. Un Magitron pour un magicien citron, ça peut être pas mal. Voilà, mais pour le moment, voilà, on commence quand même avec 4 teams, ce qui est déjà pas mal, je pense. Et merci à toi, les bisous de Loan. Bienvenue à toi. Alors, il va falloir qu'on se concentre sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui avec notre très chère Ariane, puisque faut pas oublier que faut pas qu'elle vienne à l'entretien, enfin l'entretien, parce que c'est pas vraiment un entretien vu qu'elle a déjà passé. Enfin, on avait pris une aptitude qui nous permettait de passer l'étape d'audition. Voilà. Donc on fait plus d'audition. C'est bien fait. Merci Amalia. Bon, c'est pas moi qui ai fait. Hein. C'est mon frère qui a dessiné. Moi, je sais pas dessiner. Pas du tout. Ça n'a pas l'idée du Magitron. Merci Joanna. Bah, j'avais noté plusieurs idées déjà. J'en ai pas mal. Faudrait que je reprenne ma liste d'idées. Je vous les dirai si vous voulez. Et si vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas. Peut-être qu'il y a des choses que je n'avais pas pensées. Peut-être, voilà. Team Satron, sapin de Noël et citron. Bah, à la base, je voulais faire une team avec un papa Noël, un citron papa Noël. Mais c'est déjà passé Noël. Donc, ce sera peut-être plus pour fin 2019, qui sait. Coucou Jade! Coucou, Aïdogi, comment vas-tu? Re Carole. Ok, elle a fait son petit pipi, elle a besoin de divertissement. Bah écoutez, il est bon 6h du matin, ça va être un petit peu tôt pour partir en ville. Sachant qu'on a toute la journée d'aujourd'hui et tout le lendemain pour que Ariane fasse ses tâches de préparation, à savoir qu'il faut qu'elle s'entraîne à jouer des scènes romantiques et que ça n'a pas été commencé. Mais ça va aller vite, explorer l'émotion joueuse, pas commencer. Bah pour joueuse, il me semble qu'il faut regarder la chaîne bah, humour. Hein. Regarder la chaîne humour plutôt que de regarder un film. Tant qu'à faire, ça lui augmentera le divertissement. Et puis, je pense également que ça lui... Voilà. Explorer l'émotion joueuse. Laissez-vous gagner par l'émotion joueuse. Effectuez des interactions drôles. Bah, c'est bon, elle est joueuse. Et je vois qu'il y a des gugus qui passent ici. Attendez, parce que le monsieur-là, il a l'air d'être un petit peu tristouné, là. On va... Allez, allez, Khaled. On va rigoler un peu. Présentation. Pas Mika, je crois qu'il y a un truc. Présentation. Pas chaleureuse, drôle, il n'y a pas? Ok, bon, bah juste... Par contre, il pleut et elle n'a pas de parapluie, je crois. Faut que j'achète un truc à parapluie. J'ai jamais fait ça dans les Sims 4 depuis que j'ai saison. Pourriez-vous me partager, s'il vous plaît, votre parapluie? Non? D'accord. Hey, Louloute! Moi, j'ai Team Quinzel, puis Citron égale Quintron. Donc, Team Quintron! Alors, faire... non, on va faire des trucs drôles. J'ai que ça, j'ai que faire les hurons. Bon, on va faire les hurons s'il y a que ça. Donner une bonne baffe, non. Dragon, oh, Dragon, raconte-toi une blague. Non, je vais pas lui donner une baffe. Vous imaginez? Oh, Ariana qui met une baffe. Je veux pas draguer. C'est non drôle. Partez pas, monsieur. Où est-ce qu'il va? Il va chez moi? Non, il va pas chez moi, je crois. Si? Non, il va à côté. Attendez. Ouais, voilà. Taquiner de manière malicieuse, c'est quand même mieux. Mais si, il va chez moi. Tranquille, monsieur, vous invitez chez... Oh, attendez, il y a une star. Il y a une star. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa, en plus. Il y a Thorn Valley. Allez. Je veux pas rigoler avec lui. Il veut pas rigoler avec moi. Allez, présentation amusante. Bah maintenant que elle commence comme une star, Ariane, elle peut faire un câlin à un fan. Parce qu'en plus, le problème, c'est que
En même temps, on est fan de lui, il est fan de nous. Il a de la notoriété, on en a un petit peu, bon, moins. Mais ça va, on peut quand même faire des interactions avec. Et j'ai pas de bonnes interactions drôles. Taquiner de manière malicieuse. Allez, on va faire ça. Hein. Hello, Angels, I speak French. T'as déjà essayé de reproduire un clip d'une chanson, mais version Sims? Non. En plus, ça, bon, ça prend beaucoup de temps en plus, hein, de faire ça. Oh, tout ce qui est clip, reproduction, etc. Même dans les Sims, ça met beaucoup de temps. Si on veut faire les choses bien, surtout. Coucou, Princesse Citron. C'est Sims 4, yes. Est-ce que tu parles allemand? J'ai fait 7 ans d'allemand, mais je ne gère absolument pas l'allemand. Voilà. Allez, on va aller dans un bar parce que là, il y a tout le monde qui nous évite, je crois. Bon, peut-être que c'est l'effet de la pluie. Les gens, ils aiment peut-être pas rester sous la pluie, même avec un parapluie. On va aller au bar, on va tout le temps, hein, parce que vous vous rappelez, l'autre bar est apparemment trop hypé pour nous. Et on va se faire refoul. J'ai pas envie de me faire refoul une deuxième fois. Et comme d'habitude, on va inviter un max de gens. Plus il y a de gens, mieux c'est marrant. J'ai envie d'inviter... Est-ce qu'on peut inviter Nicki Minaj? On va inviter Vanessa qui est un peu notre meilleure pote. Voilà, elle est là. On invite même Nicki Minaj. Bon, on peut pas inviter plus de gens. Mais c'est déjà pas mal. Tu feras quand la villa? Ça me manque. Bah, faut que j'essaye ce soir déjà, Joyce, de voir si effectivement le mode remarche. Et le faire remarcher de mon côté. Faire des petits tests de mon côté. Pour pas, voilà, lancer un live. Oh, la maison des abonnés. Et bam, je suis en live et boum, ça marche pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Faut que je teste, moi, en dehors du live. Pas faire non plus de faux espoirs. Même Nicki Minaj, oui, bah on est amis, on peut se le permettre, on peut se le permettre. Nina Cacaliente. Ok, on est là. Regardez Nicki Minaj. Elle a pas froid, Nicki. Elle a jamais froid, Nicki Minaj. Bon, j'ai un petit peu peur de faire des interactions drôles avec elle et qu'elle le prenne mal. Si autant faire des trucs comme ça, autant les faire avec des personnes. Regardez-moi comment elle marche. Eh, hey, mais c'est pas elle qui nous a... Si, c'est Nina. C'est elle qui nous a refoule. C'est elle qui nous a refoule. Oh, je te vois. Je te vois. Bon. Pourquoi j'ai pas d'autres trucs drôles? Et pour s'entraîner à jouer des scènes romantiques, jouer une scène d'amour ou jouer une scène d'horreur avec un autre... Oh, carrément une scène d'horreur. Ah oui, je me rappelle, on devait augmenter, je crois, le charisme. C'était quoi déjà qu'il fallait augmenter pour débloquer des scènes? Oh, bah, autant qu'à faire, hein. Jouer une scène d'amour, tiens. Pour des pourboires, tant qu'à faire. Et en fait, je me rappelle que le pack Drip disparaît le 15 janvier car ce fera un mois. Oui, je suis hors sujet. Ouais, mais c'est intéressant à savoir quand même. Nicki a des radiateurs dans son huc ou comment ça se passe? Elle a jamais froid. Ouais, j'avoue, elle est passée où? Elle est montée en haut, elle est pas encore redescendue. Où est-ce qu'elle est? Elle est en train de revenir. Mais en fait, ah d'accord, elle vient ici parce qu'en fait, il y a un espace VIP au-dessus. Et le truc, c'est qu'il y a un espace VIP, mais en fait, elle refoule tout le monde, en fait. Finalement, il n'y aura jamais personne dans son espace VIP. Ça, c'est elle, la refoule. Oula, comment elle marche? Mais il y a des gens, ils marchent. Bah, c'est des célébrités. Impression qu'elles ont consommé de la drogue. Ah bah, elle est rentrée. Ok, elle aime, elle a rien dit. Elle est passée. Et elle est pauvre. Elle a dit, mais je veux rentrer à l'intérieur. Laissez-moi rentrer. Oh, la pauvre. Et lui, il est en train de mater à travers le mur. Attends, il y a un mur? Oui, il y a un mur, on est d'accord. Bon. Au moins, nous, entre non-VIP, on s'amuse ici. Ok, on a gagné un petit peu d'argent. Pas de ouf non plus. Et on faut qu'on le refasse encore une fois. Faut qu'on le refasse encore une fois. Mais il faut que ce soit encore amour. Parce que sinon, ça ne marche pas. C'est horreur ou amour. Et qu'on est qu'à 50%. On va le refaire. Bonsoir Baby Love, comment vas-tu? Coucou Marine, je suis nouvelle sur ta chaîne, j'adore tes vidéos. Bah merci beaucoup et bienvenue à toi sur la chaîne. De la drogue un peu comme toi, avec sous sur des BD, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Hey Love Guy, comment tu vas?
Grâce au miroir, tu peux améliorer le jeu d'acteur et donc avoir plus de choix de scène. Merci, Légendaire Lily. Je me rappelais plus c'était quoi déjà, mais il me semblait que c'était avec le miroir, justement. Coucou Enola, comment ça va? Re-chuchu. Re-Eva. Je te relève un défi de dire mon pseudo sans faire de faute. Cristal, phosphophilite. Je sais pas. Bonsoir The Gameuse, j'ai vu la vidéo de ton absence, merci. Salut The Island Challenge, et pour quand? Coucou Pixie. Je sais pas, je n'ai pas tourné le prochain épisode. Il est même pas tourné. Alors c'est bon, on a fait ça, maintenant on va explorer un petit peu les trucs drôles. Voilà, raconter une blague salace, bon ça va. Ah mais non, elle est enjôleuse, elle est pas joueuse. Ah non, ça va pas. Bon, pour redevenir joueuse, il faut que je fasse... Ouais, mais là, c'est chaud. Elle est à fond enjôleuse, quoi. Heureuse, enjôleuse, voilà. Enjôleuse, enjôleuse et enjôleuse. Ça va être compliqué de... Faut qu'on... Ouais. Faut qu'on soit à fond dans l'interaction drôle. Offrir un cadeau amusant. Bah, peut-être qu'on peut être drôle. Elle est où, Nicki Minaj, là? Elle est là. Non, pars pas. Faire une blague sur la mode. Je vais devenir encore plus copine avec toi, si on dirait une grosse groupie. Je vais devenir copine avec toi, Nikki. Sois mon amie. Sois mon amie. Non? Ok. Raconter une histoire drôle. J'ai 13 ans plus tard. Oh my god, hello. Hey, Limo, comment ça va? Premier épisode de Toxic. Yes! Bon, j'ai très bien fait de contacter YouTube pour ça. On dit je t'aime en polonais. On dit Kocham, tiens. Je suis toujours pas sur ma culotte, MDR. Coucou Chibi, ça marche une inconnue. J'aime beaucoup le cadre de Taka. Merci Mizaki. Allez, on va être drôle avec elle, raconter une blague sur les hommes politiques. Je suis sûre que Nicki Minaj adore raconter ou parler de politique. Raconter une blague de type Tok Tok. Et là, je la fais jamais sur les Sims. Parce que je trouve tellement ça nul en vrai. Faire des grimaces. Est-ce que vous pensez qu'avec autant de trucs enjôleurs... Ah. Elle est fan de qui? C'est qui qu'elle a pris en photo? Yumika? Yumika? Yumiko? Non. ce serait bien que tu fais ou adopte un animal. En plus, vous m'aviez dit qu'elle avait, je crois, un cochon. Ah c'est bon, elle est jouée au stacking de manière malicieuse, j'espère. Ah ouais, j'espère qu'elle va pas le prendre mal. Hein. J'espère qu'elle va pas le prendre mal. Non, ça on enlève parce que je vois qu'il y a une tête de diable. Drôle. Faire les yeux ronds, c'est fait ça. Il n'y a pas de tête de diable, donc c'est bon. Coucou Aminata, coucou. Ah, les. Des chiens, ouais. Ouais. Elle part. Il y a tout le monde qui se barre en fait. Ok, ça fait plaisir, merci. Est-ce que... Ah, vu qu'il est fan, présentation amusante. Ouais, bah c'est bon en fait, on a terminé. On a terminé, c'est cool. On a terminé toutes les tâches, que nous avions à faire pour bien réussir notre travail qui peut avoir jusqu'à 9800 simflous. Hein. 9800 simflous, c'est énorme. Ma mère m'a fait confiance et ça a marché. Waouh, merci à toi surtout. Mais il n'y a pas de souci, Kelina. Mais il n'y a pas de souci. Oui, ça, elle fonctionne. Je l'ai testé. Merci, Baby Love. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton abonnement. Bienvenue dans la team Geektron. Non, en général, toutes les méthodes que je vous donne, je les teste avant pour être sûr, justement, que pas que je vous donne des mauvaises techniques qui ne fonctionnent pas ou pas que vous ayez un problème ensuite avec ça, quoi. Voilà, donc la technique, je l'ai essayée avant de vous la donner. Tu as plein de fans. Ouais, regardez. Il y a plein de people. Cassandra gothique. J'ai cru que c'était une caliente, mais non, c'est une gothique. Je me suis dit que si c'est une caliente, si c'est la fille de Nina, j'allais la snober, là, parce que sa mère, elle veut pas laisser rentrer dans les zones VIP. on voit bien la grosse rageuse. Bon, et bien, les gens... Est-ce que vous avez des propositions à donner à notre Ariane à faire? Parce que ça va, on s'est bien avancé, on peut se permettre un petit peu de divaguer au niveau de son travail et de passer un petit peu sur autre chose.
commencer à faire autre chose. Ce qui serait pas mal, c'est que ben après, je focus aussi sur la création de son petit ami et peut-être d'autres célébrités. Vous m'aviez dit, je crois, si vous vouliez que je fasse Aya Nakamura, si je me trompe pas, c'est comme ça que ça se dit, Aya Nakamura. Vous vouliez que je crée aussi, je crois, Lady Gaga, vous m'aviez dit. Y a qui encore? J'ai une question. Si on désinstalle Sims, on peut récupérer son compte? Bah bien sûr, parce que si tu as une version dématérialisée, tu as un compte sur Origin et voilà, t'as juste à te connecter sur ton compte et réinstaller les Sims. Alors en gros, faut juste se souvenir de son compte. Je sais, je vous ai manqué. Elle a un cochon et deux chiens et le 18, elle sort une nouvelle chanson, mais elle est célibataire et elle compte le rester. Oui, Alan, tu as tout à fait raison. Le seul truc, en fait, c'est ce qu'on voulait faire, c'est lui créer son premier petit copain, sortir avec, le délaisser. Et je crois qu'après, elle a eu un autre copain et puis maintenant, elle est célibataire, tu vois. Comme ça, après, dans son cercle, on pourra avoir son ex en ami et pourquoi pas faire des coups foireux pour rigoler. Sinon, ce serait pas drôle, fait Bilal. Ouais, mais le problème, c'est que Bilal, il a rien à voir avec le monde d'Ariane, en fait. On essaie de faire le, tu vois, le monde d'Ariane, le quartier d'Ariane, genre sa voisine, plus tard, dans les quartiers plus hypés, quand elle aura un peu plus d'argent, ce sera Nicki Minaj. Donc, il faut créer des personnages. Ouais, mais c'est vrai que Aya Nakamura, ça n'a rien à voir non plus. Donald Trump, s'il te plaît, franchement, on pourrait le faire, Donald Trump. Le pire, c'est qu'on pourrait. Wesh, le gang des trottinettes, ça dure 12 heures à installer les Sims, surtout quand on a une connexion pourrie. Ouais, bah ouais, parce que moi, ça m'a pris pas forcément beaucoup de temps. Bon, il y a tout le monde, tous les fans ici. Je rêve où il essaye de faire du forcing, lui. Faire un selfie. Quoi? Et quoi? Comment elle a snobé son fan, Ariana? Comment tu l'as snobé? T'es sérieuse? Nouvelle spécificité, courrier de fan. À force de discuter souvent avec ses fans, Ariana peut désormais recevoir par courrier diverses choses bizarres envoyées par toutes sortes d'individus. D'accord. Pourquoi pas? D'accord. Donc en gros, on a débloqué ça, ok. Mais en fait, elle est pas cool, Ariana, en vrai. Elle a snobé son fan. Le pauvre monsieur là. Il voulait parler avec elle. Elle l'a complètement snobé, quoi. C'est pas cool, Ariana. Faut vraiment. Va te présenter à lui. Allez. Ça va pas, Ariana. Ça ne va pas. En plus, il est mal à l'aise maintenant parce que tu l'as snobé. C'est vraiment pas cool, hein. C'est vraiment pas cool, Ariana. Elle ressemble trop à Ariana Grande. Ah bah ça va, ça veut dire que je l'ai pas trop foiré. Mais bon, après, à vrai dire, hein, le personnage en lui-même, je l'ai déjà pris de la librairie. Je l'ai modifié un tout petit peu. Il n'y a pas eu grand-chose de modifié hein, par rapport au personnage de base. Anna Snobeuse de fan. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent Ariana Grande, vous pouvez très bien la télécharger et télécharger également tous les CC que j'ai utilisés pour la créer. J'ai fait une vidéo exprès justement Ariana Grande CC liste. Si vous voulez aller voir la vidéo et sous la vidéo, dans la description, vous avez tous les liens de téléchargement des CC et également tous les coordonnées pour retrouver le personnage dans la librairie avec mon idée origine. Voilà. Billy et... Ah, j'adore Billy en plus. C'est vrai que je pourrais faire Billy parce que je l'adore. J'adore trop Billy et Eilish d'ailleurs. Mais si vous ne connaissez pas Billy, allez voir sur YouTube Billy et Eilish. Elle fait de très bonnes musiques. Moi, j'adore. De toute façon, vous avez déjà dû entendre, je crois. Il y en a une qui est populaire, qui a beaucoup tourné sur TikTok. C'est Crown. C'est The Crown. Vous savez, je ne sais pas chanter, donc je ne reproduirai pas la musique. Pour mon absence de la semaine prochaine, je ne serai pas souvent là car je serai en stage, car je suis en troisième. Donc du coup, pour les lives et les vidéos, je sais pas. Pardon, mais il n'y a pas de souci. Privilégie ton avenir, Nico. Il n'y a pas de souci. C'est tout à fait normal. Coucou, Sanoui. Pixie Star. Mais ce serait bien de créer Pixie Star. Ça pourrait être rigolo. On va lui demander de rentrer parce que depuis, bon, c'est... Bon, je pense qu'elle a bien discuté avec son fan. Est-ce qu'il est... Non, je crois qu'il est encore pas bien. Oh non, Ariana, tu vas pas commencer à marcher comme ça. Oh. Mais elle va vraiment continuer à marcher comme ça? Non. Elle va vraiment continuer à marcher comme ça tout le temps? Non. Est-ce qu'il chante, allez?
Quand j'étais sur des vidéos à toi jusqu'à la notif. Oh, merci Lola. Demi Lovato ou Selena Gomez? Selena Gomez, pourquoi pas? Je l'avais déjà créée en plus. Donc, je pourrais juste la reprendre. C'est quoi ton compte d'origine? Je crois que c'est 15LYTB. De toute façon, je crois que je l'ai marqué également dans la description. Elle est bourrée. Non, pas vraiment. C'est la démarche des célébrités. Au bout d'un moment, quand elle commence à être... Ah, facture. Et elle est aussi célèbre. Elle reçoit encore des factures. Hein. C'est quoi ça? Je crois que la célébrité nous rendait... non imposable aux factures. Mais à force d'arriver à un certain niveau de célébrité, bah, notre personnage commence à marcher chelou comme ça, regardez. Tout doucement. Un peu comme tout à l'heure, bah, Nicki Minaj, exactement pareil. Tu peux désactiver la marge de célébrité, il me semble aussi. Il me semble aussi, parce que bon, ils peuvent pas nous obliger à garder cette démarche. C'est ridicule. C'est tellement ridicule. Bon, c'est drôle, mais c'est ridicule. Bon, qu'est-ce que t'as envie de faire, Ariana? Va au pipi, room, le temps que je trouve comment désactiver cette démarche. Attends. C'est pas dans... C'est dans Symbologie. Ah ouais, on est quand même à 3 étoiles, pas loin des 4 étoiles de notoriété, qui est quand même pas mal. Afficher la généalogie, statistiques, les points de notoriété. Non, ce n'est pas ça. Courrier. J'aime bien comment ils disent courrier de fan entre guillemets. Alors, reçoit des choses désagréables dans sa boîte aux lettres. Comment l'obtenir? En tant que célébrité, discuter avec des fans. Comportement. Les célébrités qui s'ouvrent à leur public en adoration subissent parfois un réveil brutal lorsqu'elles découvrent que certains Sims ne sont pas de vrais fans. En fait, certains Sims détestent vraiment les célébrités et leur priorité est de veiller à ce que la cible de leur colère reçoive souvent des cadeaux dans sa boîte aux lettres, essayez de ne pas le prendre personnellement. Ah là là, en fait, les spécificités que j'obtiens, ils sont toutes négatives. Entre le palais raffiné qui fait que notre Sims veut manger que des trucs étoilés et le courrier des trucs dégueux, on a que des trucs... Est-ce que c'est que négatif? On peut pas avoir un truc positif? C'est triste quand même. Oh, merci Inconnu. Tu qui disais, je préfère ça. Et là, vous savez ce que j'ai mis? Des citronniers. J'ai mis des citronniers devant la maison d'Ariana. Bon, je regarderai peut-être plus tard comment désactiver la démarche. Peut-être qu'en allant dans la commode, là où de base on choisit la démarche, la création du Sims, on peut le changer. Elle est célèbre, mais pauvre. Bah, franchement, ça va, ça commence à aller mieux. Regarde, la cuisine, franchement, elle est pas mal comparée à ce que c'était à la base, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de la cuisine la dernière fois. La chambre, hein, qui est pas mal aussi maintenant. Il manque plus que le salon et la salle de bain. Et puis après, je pense qu'on déménagera. Parce que bon, on aura tout refait dans la maison, elle sera bien. Et ça m'embêterait un peu de trop investir non plus dans cette maison si plus tard, de toute manière, elle déménage et qu'il va falloir recommencer la création. Tu veux avoir des trucs positifs et certains chelous, mais pour le plus égale le plus et le moins égale le moins. Tu peux réinitialiser ces tocs de célébrité, il me semble. Ce serait bien, ouais. Ce serait bien de savoir comment réinitialiser. Mais si on peut le réinitialiser, mais sans vraiment tricher, parce que sinon ce serait de la triche. On fait Barbie. Barbie Girl, s'il te plaît, fais la Barbie. Demain, elle a 70 ans. Rends-lui hommage. Sérieux? Demain, elle a 70 ans, la Barbie? Moi, ce serait pas mal de faire un truc spécial Barbie demain, juste pour les 70 ans de Barbie. Sa maison est classe, mais elle a pas des sous-sous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, elle a pas de sous, mais ça va venir. Ça va venir. Est-ce qu'on invite Nicki Minaj à la maison, peut-être? Parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit plus que amie, qu'elle soit meilleure amie avec Nicki Minaj. On va voir si elle va nous snober, si on l'invite ou pas. Un petit peu fatiguée, mais bon, on va pas l'envoyer se coucher à 19h non plus. Hein. Bientôt les 10K. Ah, est-ce qu'on est 9K et quelques quand même. Re-Talia. Ah, elle va arriver. C'est moi, il y a eu un bruit bizarre. Comme si quelqu'un avait soufflé. Ok, bonjour. Discuter des centres d'intérêt. Allez, Nicki. Le pire, c'est que je trouve que Nicki, on l'a super bien fait aussi. Je veux dire, le style en général, même pas forcément à quoi elle ressemble au niveau du visage et tout, mais vraiment le style et tout, je trouve que ça lui va genre trop bien. Donner les clés de la résidence. Allez, soyons fous, on lui donne les clés de la résidence.
Qu'est-ce qu'on craint? Bon, attends, on va venir discuter ici, hein, parce que bon, il commence à pleuvoir dehors. Nikki et les croix, je l'avais oublié. Moi, j'ai pas oublié. Mais je le dis pas, donc. Tu pourrais faire un live marathon ce week-end? J'aime trop tes lives, ça me tue, mon ennui, lol. Peut-être, on verra ce week-end. Je vais pas vous dire que j'en fais un et au final que je n'en fais pas. Par contre, là, ils abusent un peu, les deux petits gnomes. Hein. Ils mettent des sachets de plantes partout dans mon salon. Illuminer la journée. Drôle. Raconter une histoire drôle. Ah, raconter une histoire scandaleuse. Ça, c'est bien un truc de star. Non, mais c'est scandaleux. Jennifer Lopez, elle a sorti. Elle m'a plagié sur sa dernière musique. Ça ne va plus. On peut faire des ragots, je crois. C'est dans Amical, les ragots, me semble. On peut faire des ragots. Uniki vient à la maison, mais ne fait pas attention à ça. Non, elle ne regarde pas là-haut. C'est en travaux actuellement. T'imagines demander de vivre ensemble? Non. Non, non, non. Elle a une très, très belle maison. On n'a pas de plagier. Oh, ce week-end, j'ai un pack argent MSP. Je fais les soldes. Nice, GG. Ouais, elle a parlé de la température fraîche. Surtout vu comment elle a vieilli. Hein. Discuter des centres d'intérêt. Reprendre les clés de la résidence. Elle les aura eues pendant 10 minutes, les clés. Complimenter sincèrement. Raconter une histoire dramatique. Et ouais, tu vois. C'était qui déjà? Attends, comment elle s'appelle? Mais je crois que c'est une chanteuse française. C'est pas Shaim, je crois. Shaim qui a sauté dans le public et personne l'a rattrapé. Elle est tombée, elle s'est cassée le poignet, non? C'était pas Shaim? Je sais plus. Il y avait une chanteuse qui avait fait ça. Qui invite Ariana chez MDR. Non mais c'est vrai. Ah bah tiens, pourquoi on n'irait pas, vu que mardi on travaille pas non plus, pourquoi on n'irait pas chez Nikki un petit peu voir à quoi ça ressemble chez elle. Ça pourrait être drôle. Bah écoutez, en fait j'aime pas demander aux Sims de partir, mais sinon ils restent super longtemps. Demander de partir, mais ils le prennent pas mal hein, si on leur demande de partir. Bon, au pire elle partira toute seule. Qu'est-ce que tu fais? Elle va... Ouais, obligée, elle va sur l'ordinateur. Ils font toujours ça, ils vont toujours sur les ordinateurs, les Sims. Toujours. La pauvre, elle a dû avoir le seum MDR. Mais je sais plus c'était... Si, c'est Shaim. Ouais, Madagou, c'est Shaim. Coucou Tatiana. Si, je crois que c'est Shaim MDR, ouais. Oh merde. Ouais, c'est pas bien de rigoler, mais pour le coup, avec du recul, je pense qu'elle-même, elle en rigole aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, d'un côté, tu vois, je sais pas, tu regardes une star, et puis tu t'attends pas à ce qu'elle va te sauter dessus. Et du coup, tu vois, ton premier réflexe, quand quelqu'un te saute dessus, peu importe c'est qui, tu te décales, tu vois. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Ah, il y en a qui s'en bat les couilles du désordre. Oh, c'est... Le problème, c'est qu'ils balancent toujours ces trucs par terre. Et en vrai, je pourrais me faire grave de la thune, hein. Je pourrais grave me faire de la thune là-dessus, parce que regardez... Je vais prendre tous les sachets, bah déjà d'une pour que ce soit un peu plus propre. Et de deux, ils vont continuer à spammer les sachets. Mais là, regardez les sachets. Je peux les revendre. Comment je fais? Il faut que j'aille, je crois, dans le... Non, en gros, il faut que je les pose. Et après, regardez, je vais dans le mode créatif. Et je peux revendre les sachets. 100 simflouz unité. Mais bon, je vais pas le faire. Bon, je l'ai fait deux fois. Mais je vais pas continuer parce que je trouve que c'est un peu de la triche. C'est un peu de la triche. C'est abuser des nains magiques qui te spawnent des sachets à l'infini que tu peux revendre 100 simflouz unité. D'ailleurs, on va les vendre. Ouais, mais je sais comment ça. Bon, tant pis. On vend ce qu'il y a, hein. Tant pis. On vend ce qu'il y a, mais au moins, il n'y en aura pas d'autres qui apparaîtront. Hein. Parce que là, c'est abusé quand même. On est d'accord. Trafic de sachets, ouais, non, bah, t'imagines? Tiens, tu veux quoi, des graines de tournesol? Tu veux, j'ai de la bonne. J'ai des graines de banane. Tu veux des graines de bananier? Oh là là. Non, je crois que c'est bon. Il y avait pas un gnome caché dans le sapin? Non, mais il y a des trucs ici. Hop, ça, on enlève, hein, parce que... D'ailleurs, c'est fini Noël, on va même revendre le sapin. On va même revendre le sapin, ça fera de la place... Voilà, et ça fait déjà plus propre, je trouve. Est-ce que ça va pas spawn derrière les murs? Non, ça va, ça va pas spawn derrière les murs.
Flash spécial, nous revenons, j'ai Ariana Grande et la superstar qui a une voix de casserole. Mais si sa voix va changer, elle va devenir la Diane. Mais déjà là, on voit des améliorations, hein, voilà. On voit déjà des améliorations dans la voix et dans la technique de la guitare. Ça marche, Misty, bonne soirée à toi. Bonne nuit à toi. 70 ans, mais elle a toujours une peau de bébé, on veut tout son secret. Elle les a revendus sur le simscoin.fr. Tu veux des graines de citronnier? Tu en veux? Je viens de regarder la vidéo de Shane qui a sauté dans le puits que j'ai pu PMD. Alors moi j'ai pas vu la vidéo, j'ai juste entendu l'histoire, donc je sais pas exactement comment ça s'est passé. Mais un piano. Je crois qu'elle fait du piano en vrai, Ariana. Des malabars au citron, ce serait bien. Ça existe pas? Ça marche, Limo, bonne nuit à toi. Préfère les pizzas ou des bonbons? Des bonbons. Je suis plus sucrée que tout le reste en fait. Bon. On va passer le temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle avec les citronniers. Regardez l'importance que vous avez, les citrons. Même Nicki Minaj parle aux citronniers. Pour vous dire l'importance. Une grosse fête au chalet en ce moment. Tu veux qu'on y aille ensemble? Allez, on y va. Accepter, sectionner les Sims avec qui partir. Non, j'ai juste dire ok, on va aller avec elle. Elle nous invite. Donc on y va. Toi, une youtubeuse voulait me créer dans les Sims. Je l'ai saoulée et il fallait que je trouve un Sims de base. Et il y avait une belle voix. Pour chanter. Coucou Pamela, j'ai pas reçu ta notif. Ah bah des fois ça arrive. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'essaierai de vous prévenir au moins que sur la chaîne là quand je fais des lives. Sur l'Insta Story. Quand mon téléphone veut bien fonctionner et qu'il s'éteint pas quand j'ouvre la caméra dessus. D'ailleurs, il va falloir que je le change le téléphone. Donc on est là, donc. De se souvenir, la fête, elle est dans le jardin à chaque fois que je viens ici. Elle est toujours dans le jardin pour le... C'est un alien? Elle est toute bleue. Elle est toute bleue. Tiens, on va commander une boisson. Commander des boissons pour le groupe, ça donne de la notoriété. Et de l'eau. Non, je déconne, c'est la fille qui commande de l'eau pour tout le monde à 0,6 plus. Plasma Marie. Mais c'est pour... Ah, mais c'est pour les vampires, ça, plasma, non? Cola crémeux. Allez, va pour le cola crémeux pour tout le monde. Coucou Cookie. Combien coûte le jeu? Faudrait vraiment que je songe à l'acheter. Quand il n'y a pas de promo, me semble qu'il est à 39. Il n'a pas baissé à 29 maintenant, les Sims 4. Sans promo, il me semble que c'est 39. Et avec promo, tu peux l'avoir à 19€. Jo, j'ai fini à mes devoirs. Ça marche, c'est faux. Bon courage. Je suis en train de regarder, ça fait combien de temps qu'on est en live? Ah, c'est bon, c'est marqué. Bon, ça va, on a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps, c'est dommage, je voulais faire le travail de Ariane aujourd'hui et faire son audition. Enfin, pas son audition, je me trompe toujours, pas son audition, mais son travail. Mais je pense pas qu'on aura le temps. Où est-ce qu'elle est, Ariana? Ok. Oh, j'adore comment elle est habillée comme ça, j'adore quand elle est habillée. Regardez, paparazzi, on est en train de parler avec des copines et on a un paparazzi. Qui veut de l'eau? Personne, j'ai une tournée générale. T'imagines? Trop la honte, tu vas dans un bar, j'ai une tournée générale et t'as le barman qui sort des Evian, tu sais. Ouais, Eliana, c'est cool. Tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Le débat, pain au chocolat, moi. C'est l'ectoplasme pour les vampires, pas le plasma, c'est autre chose, je sais pas c'est quoi, MDR. Ma grande, elle a pas froid. Bah franchement là ça va, hein. Elle est bien habillée. Comparée aux autres personnes qui viennent à la fête, elle est quand même pas mal habillée. Coucou Célia. Ça marche Eva, bonne nuit à toi. Je mets ma cristalline. Bon toi t'es plutôt Evian ou cristalline? Bon dans les deux cas tu me coûtes rien, mais... Et là t'as le barman qui sort l'eau du lévier, tu sais. Bah oui, c'est gratuit. Bonne nuit Inès. Et tu quittes quand le live? Je pense dans 5 minutes. On va peut-être faire la fête tranquillou. Et puis comme ça fera une jolie petite rediff de 45 minutes comme j'avais prévu. Ça c'est cool. On en parle de ses bottes. Mais moi j'adore ses bottes. Les cuissardes comme ça. Moi j'aime bien les cuissardes. Ça fait très, très star, genre de bottes que tu vois que les stars porter parce que toi t'assumerais pas dans la rue quoi. Et pourtant c'est déjà très joli.
C'est quand ta prochaine vidéo sur la chaîne là. J'ai pas vraiment encore fait de vidéo d'avance. Voilà. Mais sur ma chaîne Quinzelle tout court, bah c'est tous les jours à 17h. Sauf le week-end ou c'est le matin quand tu en as, mais c'est pas obligatoire. J'aime trop son style. Ouais, bah moi aussi j'adore. J'adore. Je trouve qu'on l'a super bien réussi au niveau du style. J'adore tout. Pareil, Nicki Minaj. Bon, j'assumerai pas son style dans la rue, mais je trouve que par rapport au personnage de Nicki Minaj, on a super bien réussi son look. Bon, je pense que vous regrettez tout ce qu'elle a pas, ses croix sur les tétons, hein, à Nicki Minaj. Mais bon, faut faire des choix, tu vois. J'ai peur de me faire striker YouTube. Comme ça, j'ai dessiné ta photo de profil et ta manière. Je les adore de fou. Ah bah, tu peux remercier Johanna pour ça, parce que c'est son art. Tu live quoi après? Bah après, il y a plus de live. Après, c'est fini. Après, il est tard. Et qu'on est en pleine semaine. Coucou à Flower. Le look d'Ariana est tellement beau. Merci, Pamela. Bon, tu finis de parler, tu vas danser un petit peu. Tu sais, on a l'impression que limite, elles sont en train de poser pour la photo. Tu sais, elles font genre, elles parlent, mais elles sont toutes les trois tournées un peu vers le photographe. Tu vois? C'est genre, on dirait trop une paparazzade. Elle dit, ah, regardez ici, par là, regardez. Et là, trois, elles sont en mode, je m'en bats les steaks, total. Demain pas court. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a pas mal de gens qui font... Enfin, c'est pas vous qui faites grève, mais les écoles. Trop belle Quinzelle. En plus, ça rime. Merci, Léa. Ok, on va danser un petit peu, parce que j'ai envie de la voir danser si... Allez, tiens, danser ensemble. Pour voir si elle s'est améliorée sur son skill de danse. Ouais, c'est pas ça, mais il danse toujours comme ça, j'ai l'impression. Voilà, n'a rien équipé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette musique? Parce qu'elle est devenue enjôleuse? Ah d'accord, on s'est fait inviter à la soirée, mais... Elle s'est barrée. D'accord. Bon, c'est pas grave, hein, on continue à faire la fête. Hein. Elle fait la danse du poulpe. Vous avez vu, un moment, elle a fait ça. Un moment, elle a fait la danse du poulpe. T'appelles comment en vrai, Jessica? En quoi vous faites grève? Ouais, c'est toujours pas ça pour la danse, hein. Ça a pas changé. Je fais pire. Ouais, bah moi aussi, j'avoue, je fais pire. Mais bon, venant d'une chanteuse qui est danseuse, voilà quoi. Dieu ne va être contente. Le live va rester sur la chaîne. Oui, les lives d'Ariane sont en rediffusé. Tout à fait. Ils sont en rediffusé voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas là au moment du live. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Essaie de draguer ta pote à côté. Et le pire, c'est qu'en plus, on... Ah non, c'est pas elle. Je l'ai confondue avec... Avec qui? Avec, bah, Vanessa, en fait. Celle qui nous a invités pour la fête. Ouais, bah, j'ai confondu. Je croyais qu'on était à fond en amis avec elle, mais pas du tout. Mais tout le monde a l'air de kiffer. Ah, je crois qu'il y a une star ici. Oh, véritable célébrité. Il a une étoile de plus que nous. Mais c'est pas grave. On a quand même des fans pour nous à cette soirée. Elle sort un thank you next, lol. Si un jour tu fais un live 24h, tu vas acheter du Big Mac et 5 Coca. Bah ouais, faut bien tenir. Hein. Je peux demander ton âge. M'a bloqué pas les modos. Non, tu peux demander, hein, j'ai 27 ans. À quand la prochaine vidéo sur Quinzelle MSP où je suis devenue... Ah oui, je suis devenue accro. Ah, parce que tu comprends le polonais, toi. Tu comprends le polonais? La vie est trop chelou. Oui, voilà, exactement, Célia. Quand je suis allée au magasin de jeux vidéo, j'ai vu Sims 4, ça coûte 40€, c'est un peu trop cher. Mais c'est pour ça, Yasmine, le mieux, c'est que vous attendiez les promotions sur Origin. Si vous voulez l'acheter sur un site fiable, officiel d'Origin, attendez les promos. Ils font toujours des promos, il y en a toujours, hein, pour toutes les occasions. Et vous pouvez avoir le jeu à 19,90€ au lieu de 39€. Donc c'est à moitié prix. Et ça vous permettra d'acheter le jeu plus des jeux, enfin des add-ons en complément. Voilà. Après ils font aussi des promotions. Voilà, il y a Carole qui vous lâche un lien. Des promotions avec des bundles où vous pouvez acheter le jeu plus les add-ons moins chers, etc. Et ça c'est cool.
J'ai besoin de toi, Casey, t'es mieux pour télécharger des CC Sims 4. The Sims Resource, la base, Crystal. The Sims Resource. Il est à 10€ maintenant sur Origin. Non. Parce que même quand ils font des promos, ils ne le mettent pas à 10€. J'ai eu à 30€ à Micromania. 14 ans, Jess. Ah, mais elle est encore là, je croyais qu'elle était partie. Ah, vedette débutante. Je crois quand on l'a connue, elle était pas vedette débutante. Vanessa. Est-ce que Vanessa, tu te servirais de ma notoriété pour devenir célèbre? Non, je rigole. On était amis bien avant que l'une de nous soit célèbre, donc ça va. Plaisanter avec une vieille connaissance. Ah. Attends, je me sens observée. C'est trop bizarre, le mec qui danse, il est en train de me regarder, c'est trop chelou. Regardez, regardez-le. Je suis désolée, mais il a une tête qui me fait trop rire. Pire, c'est quand il regarde comme ça. Oh, il est flippant, ce mec. Il y a que moi qui fais flipper, regardez. Trop chelou, Yavida. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, ses yeux, on dirait. Je sais pas, il a des yeux chelous, enfin... Je sais pas pourquoi. Et regardez la tête d'Ariana à côté en mode... Ok, d'accord. Je fais quoi? Je fais genre, je le vois pas. Tes cheveux sont naturels? Non. Mes racines, là, sont naturelles. Mais mes cheveux, non. Coucou, Naze. Re, Afonso. Bonne soirée, Angel. Les gens, vous connaissez pas Kenzel? Avant, 3K, elle avait que les rides. Eh bah oui, hein. Au début, 3000 abonnés, j'avais pas assez de YouTube monnaie pour m'injecter de la YouTube monnaie dans le sang, quoi. Ah ouais. Dire pire. C'est vrai qu'il est flippant. Je sais pas pourquoi. Je suis désolée, hein, monsieur. Je suis désolée, monsieur. D'ailleurs, il s'appelle comment, ce monsieur? Rage Razoya. Rage. En petit rage. Bon, on va lui demander de rentrer. Il est 6h du... Oh mon dieu, il est 6h du matin. A envie de faire pipi et tout. On va la laisser rentrer tranquillement à la maison. Comme ça, on pourra clôturer le live. On s'est quand même bien amusé. Je suis juste... voilà. Juste déçue de ne pas avoir eu le temps de faire sa journée de travail. Mais au moins, on pourra la faire. On pourra commencer par ça. Bah, du coup... la prochaine fois qu'on fera le Ariane... Mais là, c'est catastrophe. Hein. Pipi, manger, douche, prendre une douche. On va faire ça. Comme ça, la prochaine fois, on commencera bien comme il faut. Déjà fini. Ouais, franchement, ça passe. Quand je joue aux Sims, le temps, il passe trop vite. Jess, il a 13€ le lien que j'ai lâché. Ah bah parfait, bah voilà. Carole, elle a mis un lien si vous voulez aller acheter les Sims 4. Ah, n'arrête pas. Ce sera avec Barbie Girl, tu nous le promets. Si vous voulez, il faudrait que je regarde si... Est-ce que... Non, je crois pas que je l'avais mis dans la librairie, la dernière Barbie que j'avais fait. Elle était... J'adorais Barbie. J'adorais la Barbie que j'avais... Vous vous rappelez la série Barbie? J'adorais. Je kiffais trop, je la trouvais trop... Oh mon dieu, les toilettes. Ah, rien à voyons, je ne t'ai pas appris à être ainsi. Ça ne va pas. Heureusement qu'il n'y a pas de fenêtre. Si vous imaginez un paparazzi pendant... En photo, les toilettes d'Ariane, sa carrière, elle est finie, hein. Elle est finie, sa carrière. Comment ça, à la fin, ça lui a pas suffi, l'eau du robinet, lol. Oui, Célia. Je suis apprentie polonaise. Ah. Exactement. Johanna, c'est son métier dessinatrice. Si vous voulez faire des commandes chez elle, c'est payant. Parce que c'est son travail, voilà. Tu vas refaire le 100 baby challenge. J'avais dit que je le referais, le 100 baby, mais pas tout de suite. Parce qu'en fait, je suis tellement déçue d'avoir perdu mon 100 baby que si je recommençais maintenant, je serais un peu niaisée. Enfin, je sais pas comment dire. Je serais pas bien, en fait. J'ai une question intéressante, je pense. Attends, je vais enfin dire un truc intelligent. Pourquoi avoir choisi comme nom de chaîne Kenzel? Parce que Kenzel, c'est le nom de famille d'Harlequin. Harlequin, son vrai nom de famille, c'est... et prénom, d'ailleurs, parce que Harley, c'est pas son vrai prénom, c'est comme un tag. Son vrai prénom, c'est Arline Frances Kenzel. Voilà. Donc, normalement, c'est censé se prononcer Kenzel. Mais nous, on prononce Kenzel, parce que 15L, 15 litres de limonade, c'est un petit délire, voilà, une petite personnalisation du pseudo. Voilà pourquoi. Et ça s'appelle comme ça, ma chaîne.
Comment on fait un don? Bah, tu as le petit super chat en bas au niveau du chat à côté de l'émoticône. T'as une sorte de dollar. Voilà, où tu peux faire un don sur le super chat. Temps passe si vite avec toi. Ouais, bah, en plus, je parle beaucoup quand je joue aussi aux Sims. C'est un peu comme sur MSP, mais un peu moins. Je joue un peu plus quand je suis sur les Sims que sur MSP. Hein, on va pas se mentir. Voilà. Comme des BD. Ce serait sympa d'ailleurs de faire un petit DBD. C'est vrai que je fais pas de live DBD parce qu'à chaque fois que je joue à DBD, je suis sur le live de quelqu'un, que ce soit sur le live de Bubu, sur le live de Sopalin ou sur les deux en même temps. Et du coup, c'est vrai que être à plusieurs, jouer ensemble à plusieurs et être à plusieurs en live, c'est pas évident. Et merci Lola, bienvenue à toi. Parce que voilà, moi après, j'ose pas trop parler pour pas déranger le live des autres, mais en même temps, les gens me parlent sur mon chat, etc. C'est un peu frustrant. C'est pour ça que quand je joue à DBD, voilà, j'en profite pour être avec les autres et voilà. Imagine, tu reçois un don et tu quittes le live, ça te le met. Oui, ça le met quand même dans le super chat. Ça le met quand même dans le chat, pardon. Et ça m'est déjà arrivé hein, que quelqu'un me fasse un don sur le super chat au moment où je coupe le live. Bah, je remercie quand même la personne sur le chat. Voilà, je l'attaque, je dis merci pour ton don, etc. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je le vois quand même dans tous les cas. T'as déjà eu un don de 500 euros. J'ai déjà eu un don de 500 euros, mais genre en plusieurs fois. La même personne qui m'avait fait 100 euros, 100 euros, 100 euros et 300 euros, je crois, environ. Ça m'est déjà arrivé. Mais faut pas faire ça! Faut pas faire ça, ne faites pas ça. J'ai vu ta vidéo polonaise, même si je comprends rien du tout. Elle kleptomane, Harry? Non, je lui ai pas mis la kleptomanie, Harry. Non, non. Non, non, elle est pas kleptomane. Et merci Erika, bienvenue à toi! Et merci beaucoup! Et bienvenue dans la team Princesse Tron, dans les Citrons Princesse. Charles Hugues, je crois. Non, c'était pas Charles. Mais Charles, il m'avait déjà fait de très gros dons, mais pas 500 euros. Il m'a déjà fait des gros dons, mais c'était pas Charles, c'était. Hiki. C'était Hiki. Mais c'était il y a un bail. Bon, bah écoutez, moi je vais arrêter là le live. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais voir. Bah là, j'ai coupé le live, mais moi je vais rester sur les Sims pour tester si le mode. Pour avoir plus de Sims, refonctionne ou pas? Ou est-ce qu'il faut que j'aille peut-être faire une mise à jour au niveau du mode? Ou est-ce qu'il remarche comme ça tout seul ou pas? On va aller tester. Enfin, moi, je vais aller tester ça. Et bah, écoutez, si vous voulez, je vous mettrai sur Insta Story si le mode refonctionne ou pas. Comme ça, au moins, ça pourra prévenir aussi tout le monde. Voilà. Tu me diras en MP. Bah, de toute façon, Carole, je le mettrai sur Insta Story. Comme ça, au moins, tout le monde sera prévenu si j'ai réussi à le refaire marcher ou pas. Voilà. Ok? Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir été là. Bon courage à toutes les personnes qui se lèvent demain matin pour aller à l'école. Hein. Bon courage à vous. Hein. Désolée que ça fasse pas grève chez vous. Hein. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt.